Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, plongeons dans les nouveautés du jour. L'annonce d'un crack parisien pour la saison à venir. Le Paris Saint-Germain a récemment signé un jeune crack et on en sait plus sur lui pour la saison prochaine. Le PSG vient d'accueillir deux nouvelles têtes dans ses rangs avec les arrivées de Joao Neves. et également le défenseur central équatorien de William Pachot. Louis Enrique pourra également compter sur la relève avec les Titi du club, comme Warren Zaïre Emery toujours présent. Un autre Titi parisien, qui a récemment signé son contrat pro, a annoncé le numéro qu'il porterait la saison prochaine. Mayulu aura le 24 sénie Mayulu, a signé son premier contrat professionnel avec le PSG à l'hiver dernier après que Louis henriquet l'ait pris dans le groupe à plusieurs reprises, notamment en Coupe de France. Le jeune crack parisien, né en 2006, tout juste âgé de 18 ans, portera le numéro 24 pour la saison prochaine avec son club formateur. Le PSG craque enfin pour cet attaquant à 30 mi. Le PSG est toujours en quête d'un ailier gauche et étudie notamment la piste Jadon Sancho. Cependant, l'anglais n'a pas la cote auprès de la direction parisienne. Cherche remplaçant pour Kylian Mbappé. Voilà la mission du PSG depuis le début de l'été. Cette tâche se divise en deux comme le nombre de recrues visées. Il faut un avant-centre prolifique, mais aussi un ailier gauche rapide. Ce joueur de couloir devait être Kvisha Kvaratskelia, mais Naples ne veut pas lâcher sa pépite géorgienne. Les Parisiens doivent donc étudier une autre piste au mercato. Le PSG pense à Désiré Doué de Rennes, Nico Williams de Bilbao et enfin à Jadon Sancho, Manchester United. Au vu de sa situation précaire chez les Red Devils, il semble plus facile à signer que les deux autres joueurs convoités. Sancho pas assez sérieux pour le PSG Le départ de Manuel Ugarte vers Manchester United pourrait accélérer ce dossier. Néanmoins, les supporters parisiens questionnent légitimement la pertinence d'un tel transfert. En échec en Premier League et irrégulier, Jadon Sancho n'est pas la recrue idéale pour eux. Même si le PSG négocie actuellement pour transférer Sancho, ces doutes sont aussi partagés par la direction parisienne selon le journaliste anglais Duncan Castles. Selon lui, L'international anglais de 24 ans n'est pas l'attaquant rêvé par le club parisien. Cependant, les difficultés du PSG pour ramener un ailier gauche ont fait de l'Anglais une priorité par défaut. Les Parisiens craignent notamment le caractère de Jadon Sancho, lequel n'a pas réussi à s'intégrer dans l'effectif d'Eric Ten Hag. Cela sera encore plus complexe avec l'exigeant Luis Enrique et son système de jeu bien huilé. Le comportement capricieux de Sancho à Manchester United renforce également les inquiétudes. Néanmoins, avec son mercato bloqué concernant les ailiers, le PSG n'aura peut-être pas d'autre choix que de miser sur Jadon Sancho. Avec seulement trois semaines de mercato restantes, ce plan B devient progressivement un plan A et la signature du joueur mancunien paraît de plus en plus une évidence pour Luis Campos et le Paris Saint-Germain. Le miracle à 60 millions d'euros est en route Manchester United et le PSG négocie férocement pour le transfert de Manuel Ugarte chez les Red Devils. Le dossier s'est décanté ces dernières heures avec le concours des différents acteurs. Manuel Ugarte semble destiné à quitter le PSG cet été. Plus vraiment désiré dans la capitale française par Louis Enrique, l'Uruguayen est particulièrement apprécié par Manchester United. Cependant, les Red Devils sont en désaccord avec les Parisiens sur le prix à mettre pour le milieu. Le PSG veut récupérer 60 millions d'euros dans l'opération, soit la somme misée sur Ugarte il y a un an seulement. Manchester United tablait plutôt sur 50 millions d'euros maximum. Un écart financier qui peut bloquer les choses, mais heureusement pour le club anglais, tout est mis en œuvre pour faciliter l'opération. Ugarte à deux pas de Manchester. Le journaliste de Sky Sport Deutschland Florian Plétembert est formel, le transfert de Manuel Ugarte est plus proche que jamais d'aboutir. Le PSG et son homologue anglais discutent des derniers détails en vue de finaliser un transfert définitif du le joueur lui-même pousse pour ce transfert tout comme son entourage. Son agent, le célèbre Roré Mendes, use de son influence pour envoyer le milieu de terrain en Premier League selon Pletembert. Le PSG est aussi favorable à ce transfert, moyennant une indemnité satisfaisante bien sûr. Finalement, c'est presque Manchester United qui ralentit le processus. Les Red Devils temporisent dans ce dossier et étudient d'autres profils de milieu. La formation anglaise peut-elle renoncer à un joueur aussi utile pour elle sur le papier L'affaire se joue sans doute à quelques millions d'euros près. Guardiola prêt à se servir au PSG Il répond enfin ces derniers mois un grand exode a été évoqué du côté de Manchester City, avec certains cadres qui en auraient assez du management parfois trop froid de Pep Guardiola. C'est le cas d'Ederson, qui aurait d'ailleurs reçu des offres très alléchantes venant d'Arabie Saoudite et dont le départ pourrait bien avoir des répercussions sur l'effectif du Paris Saint-Germain. Les superlatifs manquent souvent lorsqu'on parle de Pep Guardiola, considéré comme l'un des entraîneurs les plus marquants de l'histoire du football. Pourtant, ce n'est pas toujours gage de solidité, puisqu'on ne compte plus les joueurs qui n'ont plus supporté sa façon de manager et qui l'ont finalement quitté. Et la liste est longue à Manchester City, avec par exemple des stars comme Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ou encore Ederson. Donnarumma dans le viseur de Manchester City? Le gardien de but brésilien est l'un des cadres qui a été annoncé proche d'un possible départ cet été, avec notamment un possible départ vers l'Arabie Saoudite. Ainsi, la Repubblica a annoncé que pour le remplacer, à Manchester City on penserait tout simplement à Dianluigi Donnarumma, gardien titulaire du PSG dont la position semble pourtant avoir été quelque peu fragilisée par l'arrivée de Matvei Safonov. Sous contrat jusqu'en 2026, L'Italien n'a jamais semblé faire l'unanimité à Paris et alors qu'une prolongation semble être en négociation depuis ce printemps, aucun accord n'est à l'horizon. C'est un immense soulagement qu'Ederson reste. Mais que le PSG se rassure, du côté de Manchester City, on ne semble pas du tout vouloir changer de gardien cet été, parole de Pep Guardiola en personne. C'est un immense soulagement qu'Ederson reste. Nous n'aurions pas pu traverser cet incroyable processus de 8 ans sans Ederson. Impossible a expliqué le coach mancunien, au micro de Sky Sport. Son charisme. Sock Constance. Remplacer le gardien de but est délicat dans notre façon de jouer, donc je suis vraiment content qu'il reste. L'avenir de Presnel Kempembe au PSG n'est pas du tout assuré. Opéré à deux reprises du tendon d'Achille en février et décembre 2023, Presnel Kempembe a vu débarquer un nouveau concurrent en défense centrale hier, William Pacho. L'équatorien est gaucher, comme lui, et dispose de qualités similaires. Tout sauf un hasard. Le PSG a officialisé hier la venue de William Pachot. L'équatorien débarque en provenance de l'Entracht de Francfort contre 45 millions d'euros, 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. À 22 ans, il vient renforcer un poste où la concurrence ne manque pas entre les présences de Marquinhos, Scrignard, Beraldo, Luca Hernandez ou encore Presnel Kempembe. Les six éléments à ce poste sont tous internationaux, c'est dire la densité. Et Pachot est déjà la quatrième recrue à ce poste en douze mois seulement, après Scrignard et Hernandez l'été dernier, et Beraldo cet hiver. Un nouveau concurrent qui ne rassurera pas Presnel Kempembe et Luca Hernandez, tous les deux gauchers, comme leur nouveau coéquipier, est actuellement blessé. Pour le premier, ce renfort peut même être perçu comme un message du club. D'après le Parisien, L'entourage du français a remarqué les caractéristiques très proches de Pachot avec leur protégé. En plus d'être gaucher, l'ancien joueur du Royal Antwerp est réputé pour son agressivité dans les duels, sa puissance et une confiance affichée sur le terrain. Le PSG est à l'écoute d'offres. Ce n'est sans doute pas un hasard d'ailleurs. Ce n'est pas vraiment un secret, mais Louis Campos n'a jamais été un grand fan du joueur depuis son arrivée dans la capitale. En 2022 déjà, le dirigeant portugais avait milité pour son départ. Galtier l'en avait dissuadé et souhaitait l'avoir avec lui. En plus de ses qualités de joueur, Kumpembe symbolise la formation parisienne. Ils sont peu comme lui dans l'équipe première à s'être imposés sur la durée depuis que QSI a pris en main le club en 2011. Il est presque une exception, en plus d'être une personnalité fédératrice du vestiaire. C'est aussi pour cela que le club l'a prolongé en décembre dernier jusqu'en 2026. Alors qu'il arrivait en fin de contrat à la fin de la saison, Campos a d'ailleurs œuvré en cela, mais il est toujours convaincu de son départ. En juin dernier déjà, nous faisions état de cette situation, confirmée en cette fin de mercato par le Parisien. La direction, qui apprécie la personnalité du champion du monde 2018, ne lui a pas signifié non plus son départ. Opéré à deux reprises du tendon d'Achille et absent des terrains depuis février 2023, Presco se concentre à revenir à la compétition. Lui qui a eu une petite alerte à l'entraînement. Pour cela, il n'a pas d'autre choix que de se réfugier dans le travail et d'enchaîner les séances d'entraînement. Le PSG va boucler une nouvelle opération. Auteur d'un mercato assez discret pour le moment, le PSG compte bien accélérer les choses. Dans le sens des arrivées, cela commence à s'activer et pour les départs, le club pourrait bientôt conclure un nouveau dossier. En effet, Cher Endur, le milieu de terrain de 20 ans, aurait trouvé une porte de sortie du côté de la Turquie. Le PSG n'a pas pris pour habitude de récolter beaucoup d'argent pour ses transferts dans le sens des départs, hormis l'été dernier. Dans ses rangs, le club compte cher Endur, recruté en 2023, qui est très peu utilisé. Le milieu de terrain de 20 ans n'entre pas forcément dans les plans de Luis Enrique compte tenu de la concurrence dans l'entrejeu et son départ semblait arriver. Ce serait en très bonne voie. Le PSG a reçu une offre pour Ndour. D'après les informations de Foot Mercato, le PSG a reçu une offre pour Endur. Revenu de sa période de prêt au SC Braga, l'Italien est dans le viseur du Bessictas et son dossier est désormais en très bonne voie. On ne connaît pas encore le montant de l'offre, ni il s'agit d'un transfert, ou plus probablement d'un prêt. Une trop grande concurrence pour Endour. Prêté durant la seconde partie de saison à Braga pour gagner un peu de temps de jeu, Endour devrait faire ses valises assez rapidement. L'ancien du Benfica Lisbonne, estimé à 4 M€ sur le site Transfermarkt, fait face à une énorme concurrence dans son secteur de jeu. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.